Voilà, monsieur, bonsoir. Yon plaisir, on l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Bélizère, avec un grand point cap dominé actualité. Parmi eux, il y a Petite Dessalines avec Réveil National. Washington qui bat parti politique qui a 24 heures pour voir non monde précisé, leader Guy Philippe pas qualifié pour participer dans le conseil présidentiel transition. États-Unis élection, électeurs américains a paré pour une lutte face à face entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection novembre. Mesdames, messieurs, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer et focus nous. Attention nous plutôt, c'est sous pays d'Haïti avec tout développement qu'a gagné et nous connaît depuis démission premier ministre Ariel Henry depuis annonça et bien grand pile nouveau développement qui a fait et qui a sorti à travers le monde concernant pays d'Haïti et surtout dans Washington qui très présent dans dernier développement concernant pays d'Haïti. Moi Jean-Charles mandé peuple haïtien VRO en bas pour yon pas prendre gol à Mesa dans mes caricom. Jeudi mercredi en même population Jérémie foule béton yo yon endiablé yon fâché yon mauvais yon dit caricom metton sous côté dans ça qui a passé dans pays d'Haïti là parce que nous mêmes c'est Guy Philippe nous besoin c'est Guy Philippe nous mandé et Guy Philippe c'est dernier grenzel 4 nous va utiliser pour changement pays d'Haïti mais pour Jean moi population Jérémie fâché m'a demandé est-ce que bagay yo a prêté comme ça. M'a tendon citoyen qui a parlé pour dire que Guy Philippe vini là. Guy Philippe lance révolution. Et bien révolution en prend. Je ne j'ai dit à la si Guy Philippe fin bataille, c'est lui-même qui doit jouer une banane. Il va ka fin bataille pour une banane et puis son l'autre groupe qui sorti pour manger une banane. M'a bon menti bagay yo en pile. Et bien nous gagnons porte-parole Maison Blanche là, Catherine Jean-Pierre qui déclarait Guy Philippe pas capable faire partie conseil présidentiel. Il veut dire Guy Philippe a supposé mettre col sous côté parce que c'est États-Unis qui a décidé pour nous. Mais dans moment ça là et malgré les États-Unis qui ont demandé pour capable gagner 7 membres dans le conseil présidentiel là jusqu'à présent parti politique qui pas capable mettre tête en place pour désigner mon paille. Et nous gagnons Petite Dessalines ensemble avec Réveil de Guy Philippe. Deux groupes ça qui mettait quand yo sous côté qui dit yo pas dans zafè caricom c'est peuple haïtien qui va installer yo moun dans palais national en grand monde mes familles bien important pour rester temps de la voix de l'Amérique évidemment. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire qui est même gon mise à jour pour nous par rapport à la position Washington sous sa cap passé dans le pays d'Haïti. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde et femme dit téléspectateurs yo auditeurs yo que la Voix de l'Amérique gagnait ou un reporter qui a voyagé ensemble avec le président Biden qui allait dans l'État Wisconsin aujourd'hui. Hein. Donc, dans l'avion, il y a posé question. Et donc, nous posons question sur Haïti aujourd'hui dans l'avion président Biden. Non? Et Mesa et Karine Jean-Pierre dis-nous. Donc, vous avez demandé la Maison Blanche opinion administration Biden non? Pour période de temps 48 heures que accord CARICOM n'a pas pour conseil transition présidentielle pour Haïti a en place. Votre parole, Karine Jean-Pierre, répond. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. Haïtien, Jérégé Foyo, à date pour conseil là, non même. Nous parlons quitter peuple haïtien, Jérégé Foyo, à date pour conseil là, non même. Lui réitérer que États-Unis quoi, c'est haïtien qui doit choisir le deuil et puis déterminer l'avenir. Karine Jean-Pierre dit, nous très clair sur ça. Nous prenons engagement pour appuyer Haïtiens, avec l'effort Haïtien à faire pour créer conseil présidentiel transition, pour rétablir sécurité et puis parer chemin pour élection libre et honnête, qui c'est un bagage, nous croyons, qui est très important. Par rapport avec si États-Unis va reconnaître Guy Philippe, s'il est élu président d'Haïti. Jean-Pierre dit nous, gagné une déclaration CARICOM publiée qui détaillait qui est-ce qui est capable même conseil ça. C'est tout ça m'a dit. De l'autre côté, nous gagnons un correspondant dans le département d'État et secrétaire d'État fait connaître, secrétaire d'État Anthony Blinken fait connaître que
il était parlé avec le président Kenya matin. Donc, correspondant voix dans le département d'État, Nike Ching, fait qu'on est que secrétaire d'État Anthony Blinken parlait avec le président Kenya William Ruto matin pour confirmer Kenya paraît pour diriger mission aussitôt que nouveau conseil transition va installer en Haïti. Blinken dit que ça sera fait, donc installation conseil là, dans quelques jours comme ça. Et puis après ça, il va nommer un premier ministre intérimé qui va permettre de déployer mission. Nous avons l'autre réaction sur ce qui a passé entre États-Unis avec Haïti, opinion ambassade, les États-Unis pour commencer, mais ça nous joint. Ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti a annoncé sous compte Twitterly, qui donc réseau qui relè X Kounia, que un deuxième groupe marine arrivé à Haïti par voie aérienne pour bailler en pile support à l'équipe actuelle service sécurité diplomatique là, DSS, dans l'ambassade là. L'ambassade a précisé que mesure ça conforme avec pratiques et standards qui gagnent pour augmentation sécurité ambassade États-Unis à travers le monde là. Li ajouté, ambassade nous était concentrée sous poursuite d'efforts diplomatiques et humanitaires en Haïti. Ici, de Washington même, porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dit États-Unis attendent à ce que le membre conseil transition en nommé entre 24 à 48 heures. The under the terms of the agreement that was announced yesterday, we expect that the members of the Transitional Council will be appointed in the next 24 to 48 hours, and then they will take the step to appoint an interim prime minister in the near future after that. L'idée d'après a été annoncé lundi, nous attendons à ce que nous nommions membre conseil transition dans prochain 24 à 48 heures, et puis après ça, il va franchir prochaine étape là qui s'est nommé au premier ministre par intérim. Département d'État répond pour dire qu'il va simplement travailler sous nomination d'un premier ministre intérimé. Dans New York, l'ONU confirmé quelques employés qui pas essentiels pour commencer à quitter Haïti à partir mercredi à cause situation volatile là. Porte-parole Nations Unies en dit journaliste dans l'ONU que l'ONU pas quitter Haïti. Un collègue lui dit qu'a mené activité pour sauver la vie moun qui pourrait rester en Haïti et puis continuer opération yo. Et ajouter que l'ONU continue à veiller situation Haïti de près. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis par rapport à que, merci Sandra, par rapport à que, conseil présidentiel de transition, et bien, il y a un leader, Petit Dessaline, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui rencontré avec la presse Jodia et qui fait qu'on est que lui-même avec Bloc, que fait Alliance avec là, qui gagne la donne Guy Philippe avec Jean-Tel Joseph et plusieurs autres partis politiques qui ont dit que ils ont même rejeté décision qui sortit dans Kingston, Jamaïque, donc décision CARICOM en parlant de et transition que ils voulaient faire, en parlant de conseil présidentiel de transition. Il dit comme ça que après déclaration que le fait, après rencontre avec la presse allemande, mobilisation. T'as qu'à le répéter, le barré en haut, barré en bas. Pendant que le fait qu'on est que gagnant, y a même dans le niveau payo, y a gagnant, y a l'autre conseil qui gagne trois membres là-dedans sans que ils pas vraiment citer nos monde. Pendant ce temps, donc comme ça, pour gagner pile point d'interrogation qu'a posé sous formation conseil présidentiel de transition qui pratiquement en difficulté, en impasse jusqu'à présent, surtout avec position, non seulement position. Et Moïse Jean-Charles avec l'autre encore, mais désignant qui gagne, dans le temps plusieurs autres parties. Nous allons rejoindre correspondant nous, Yves Manuel. Diverses organisations politiques, axées dans la société civile dans le pays d'Haïti, engagées dans la négociation pour choisir 7 membres du conseil présidentiel de transition. Il y a certains partis qui ne peuvent révéler les représentants, tandis que il y a l'autre qui prend gros décisions. Accord Montana choisit Fritz Alphonse Jean comme représentant, bien que gain réserve sous processus sélection CARICOM. Accord 21 décembre proposé Vickerson gagné, mais gain en pile tension en dans stricte ça qui capable entraver décision. Collectif parti politique 30 janvier en discussion pour sélectionner représentant yo, mais yo pas confiné en temps yo sur choix.
Regroupement aidé Red à compromis historique choisi Marie-Ghislaine Montpremier pour représenter yo dans conseil présidentiel là. Famille Lavalas a discuté mais yo poko grand public non yo. Petite Dessalines, bon côté pâle, voyez j'étais bien loin proposition CARICOM nan. Yo même c'est dans conseil trois membres yo te proposé récemment yo pralé. Alors que secteur privé affaire bon côté pâle poko clair si la voyez moun ou pas. CCIH la souligné l'important pour implication secteur privé dans démarche pour restaurer stabilité économique et sociale dans le pays d'Haïti. Groupe Société Civile désigné Pierre-Jean Raymond André comme membre observateur dans le conseil présidentiel. Pourquoi il est là? Rien pour qu'on fasse clair quant à mise en place conseil présidentiel. Certains partis voyaient même au 7, mais il y a un pile l'autre qui est en discussion et Petite Dessalines, même Jean avec Guy Philippe, qui voyait jeter bien loin proposition ça. Est-ce que mise en place conseil présidentiel, sept membres-là, n'en impasse? Yon question nous pouvons qu'à répondre. N'a pas rappelé, journée mercredi, c'est date limite pour parti concerné yo, soumettre à département d'État et puis CARICOM, non personnalité, qui pral fait partie du conseil présidentiel ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Pendant que y a tant non parti politique yo un ben département d'état qui fait connait que Guy Philippe lui-même n'est pas qualifié pour faire partie de conseil présidentiel de transition et c'est comme ça tout que gain partisan Guy Philippe yo qui prend la rue dans Jérémy dans département et grandance là nous gain sous place Mackinson Charles. Partisan ancien sénateur Eli Grandestan Guy Philippe manifesté journée mercredi 13 mars 2024 là dans ville Jérémy pour capable dire non à proposition CARICOM fait pour gagner un conseil présidentiel 7 membres à divers secteurs dans le pays d'Haïti pour remplacer premier ministre Ariel Henry qui lui-même fait annonce démission pour quitter pouvoir après installation conseil présidentiel si il est pour nous prendre destin nous en main en tant que peuple c'est pas haïtien qui m'a dit Guy Philippe nous voulait nous pas vers CARICOM pas CARICOM. Quittez nous prendre destin nous en main pour nous gérer le pays. Nous. Il n'y a pas qu'à prend Ariel était là déjà. Il retire Ariel pour aller pour un sous-soul, sous lit pour connaître le cabinet qui dirige le pays. Cette fois-ci, nous prenons destin en main. Nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas y aller. Guy Philippe Vinal, il a implanté le mouvement révolution, le mouvement prend. L'hypothèse fuit, je ne dis pas qu'il faut manger. Il faut manger une banane de Milan parce qu'elle travaille pour lui. Moi, je ne parle pas l'anglais. Si je ne parle pas l'anglais, en anglais, je ne parle pas CARICOM là pour me faire comprendre quelques bagailles. Non, CARICOM. Et ça, je dis seulement en anglais. Pour Dr. Swamil Laureus, qui est responsable de cause grandance et stricte politique en dedans département grandance, il pour un conseil présidentiel avec trois membres. Côté Cap Gué dans tête, ancien sénateur de grandance, Guy Philippe. Nous pas dans la question CARICOM a décidé pour nous. Nous c'est haïtiens, nous ka décider pour tête nous. Et nous sorti un document côté nous mentionner qui ça nous voulait, qui ça peuple haïtien voulait. Peuple haïtien besoin un conseil présidentiel qui ait trois moun. La donne pour gagner Guy Philippe qui présider conseil là, pour gagner madame docteur Françoise et puis avec juge coup d'appel là. Journée jodi a nous-même nous pas gagne route pas bois, c'est voie peuple haïtien pour passer. CARICOM pas capable décider pour nous, c'est nous pour décider pour tête nous. Pendant Abdou, d'après le département d'État américain, ancien sénateur Eli Grandestan pas répondre critères pour faire partie conseil présidentiel transition. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VO. Merci Mackinson, nous pourrons rejoindre Konya, envoyé spécial nous et Valérie Saint-Louis qui était dans Kingston, Jamaïque pour go réunion CARICOM d'affaires et Konya l'y trouvé dans Porto Rico. Porto Rico qui c'est un point central parce que c'est là que Premier ministre Ariel Henry t'a réfugié après que avion privé que était là-dedans et ben il n'y a pas de joindre autorisation pour le atterri dans la République dominicaine. Donc Valerio Saint-Louis, son globe trotter, dit en anglais. Valerio, qui sort ouais, qui sort attendez, ou dans San Juan, Porto Rico? Nous sommes Jacques-Claire, nous dans San Juan, Porto Rico, et nous dans un quartier très historique et très commercial, San Juan, Porto Rico, qui est le Old San Juan. Alors, après que Ariel Henry a fait apparition dans la vidéo, pour que l'on a adressé la nation, pour l'on a dit que la paille démission, eh bien, officiellement, jusqu'à présent, personne ne connaît qui côté vraiment que Ariel Henry. Il y a des gens qui toujours fait connaître, toujours croient que l'île de Porto Rico, l'île de San Juan. C'est pour ça que VOA Creole débarqué dans San Juan, Porto Rico, deuxième fois,
et n'a pas cherché et n'a pas parlé avec des sources qui ont même peut-être officielles et officieuses qui sont capables de nous qui peut rien rien. Mais en attendant, dans le quartier côté nous y a là, il faut toujours être clair, il y a une communauté haïtienne qui n'est pas en pile d'après ça, fait nous connaître dans le Porto Rico. Mais dans le quartier ça, quartier qui est très touristique, qui est très historique, il y a haïtiens qui ont des business. Et nous avons parlé ensemble avec eux, nous avons demandé tout, pendant que y a petit peu là, il y a des business, nous avons demandé est-ce que vous pouvez rien rien. Et qui genre de sentiment par rapport à sa capacité en Haïti. On regarde ça, vous moi, c'est sorti à Saint-Flair, nous ici là dans Porto Rico depuis 1983. Nous là, on a fonctionné normalement. Là, on est capable de dénoncer une galerie internationale. Nous recevons des touristes qui sont tous côtés dans le monde entier. La communauté haïtienne ici là dans Porto Rico, il n'est pas en pile. Premier ministre Henry, il est là dans Saint-Louis de Porto Rico, est-ce qu'il est sous place? Ah, comme ça, on va le toucher parce que vraiment, oui, ça c'est bagarre politique, mais on n'a pas de politique. Moi, c'est Andy Sénatus Jean. Moi fait Porto Rico, mes parents c'est haïtien et moi levé Haïti depuis l'aime fait jusqu'à 20 ans. Et puis après ça moi venu ici, so maman gain business souvenir avec haïtien te qu'on acheté depuis Haïti vinn. Chaque haïtien vinn là, les on connaît son haïtien mien. Oh my god. Situation qui a passé Haïti, hein, c'est un bagage qui vraiment touchant. On pensait que l'eau va absorber la chèvre, mais nous souffrons trop. Nous souffrons trop, nous souffrons en pile. Premier ministre, là, m'étendait le thé ici, mais bah, on est au courant de rien, de l'un qui côté le descend, bah, ça y est, m'étendait le thé ici, mais on ne sait pas, mais on n'est rien. But, mais vraiment, nous méritons un changement. Même si Vlad Sénatus, moi, j'ai plus que 22 ans peut-être bon ici hein? Et oui nous l'en business touriste là depuis plus de 19-20 ans sincèrement pas grand pile haïtien Porto Rico cap vive mais comme cela l'on all sans wang nan jon ka apprécier gien en pile store que c'est haïtien qui honneur vous comprenez pour le ministre il est toujours là bon sincèrement moi pas ka dire bon ici hein, nouvelle yo pas sorti en grande quantité sous ça qui a passé l'aspect ça sous premier ministre qui vient bon ici hein. L'ambition ça tout le monde n'a venu mon tout par la vol du et tout le monde OK moi haïtien premier ça mon nazo I'm sorry c'est bon ben so son bail qui affecte chaque jour son bail obtenir chaque jour ça c'est tout haïtien qui lance en tout ces business on va tout before gain business alors nous t'es deux toi qui t'as fait manifestation devant hôtel côté que premier ministre t'es descendu et vous même qui j'ont réagi par rapport à ça c'était normal bon pas faire aucune réaction comme si nous t'as regardé on t'es campé loin à regarder on va est-ce au courant que premier ministre Ariel Henry toujours là dans sa nous non oui je dis monsieur là rien là toujours il est là et ça me tendait je dis monsieur là toujours parce que t'es il est même démission. Mon nom c'est Claudine Kouachi. Alors moi ici ça fait 22 ans. Alors business là parce que imaginez nous soif nous t'es capable faire un type de business comme ça dans le pays nous mais nous pas opportunité à situation pas permettre du tout. Mon campé la kounya là m'a regardé et YouTube et situation Haïti m'a vraiment déprimé. M'a dit bon Dieu pas possible même moi j'aime pas manger matin. Présent c'est ancien premier ministre, il était un petit peu incommode. Et ici à Porto Rico, il y a plein de monde qui t'a fait manifestation, c'est vrai, mais il y a plein d'autres qui t'a voulu aller à cause du travail, nous n'ont pas allé. Alors vraiment vrai, c'est une situation qui est capable de dire qui est un peu ennuyeux, non? Présent c'est premier ministre là. Alors et ça a un peu déceptionné nous des premiers ministres. Premier ministre, il est toujours là dans San Juan. Bon, et son bail, moi, je ne sais pas, parce que tantôt, il dit qu'il est là, tantôt, il dit qu'il n'est pas là, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours là. Voilà, bien que le premier ministre a fait une vidéo, côté il a annoncé qu'il démissionnait, mais en plus, jusqu'à présent, il me connaît, est-ce qu'il est toujours dans San Juan de Porto Rico, et nous-mêmes, tout la vie, Wakeol, nous, là, nous, sous place. Dans la ville San Juan de Porto Rico et nous cherchons pour nous qui côté le premier ministre Ariel Henry jusqu'à présent. Ben, c'est lui depuis San Juan de Porto Rico, Jacqueline.
Merci Valerio. Donc à demain et puis restez branché sous VOA Créole pour capable gagner toute information que Valerio lui-même l'a cherché pour nous. Tako li dit li dans San Juan Porto Rico. N'a quitté San Juan Porto Rico, nous pour aller dans Miami dans état Floride côté plusieurs citoyens haïtiens réagissent sous annonce démission Premier ministre Ariel Henry Luxon Saint-Ville. Et ça qui a passé à Haïti a et l'idée passe grave parce que Rodeline qui branche nouvelle chaque jour à peine saute fait maquette pour mettre la caille. Environ deux jours après, l'idée li toujours pas quoi. Na annonce démission Premier ministre Ariel Henry. Ariel dit l'a démissionné jusqu'à date. Nous pas connait qui décision qu'a prend vraiment. Yo dit démissionner mais m'ai pas fin sûr de démission parce que Haïti gon on bagaille la donne. Yo vann Haïti sans que nous mêmes nous pas au courant. Jeune garçon ça qui saute chercher petite fille l'école dit pas étonné des annonces démission ça. Et ça fait longtemps pour elle de démissionner déjà. Citoyen ça qui dit indigné mandé communauté internationale là pour quitter haïtien décider sous propre avenir. On peut dire CARICOM international en général faut que yo ba Haïti une chance. Ça fait longtemps moun ça mettez moun pour nous. Et yo met pays à côté li là. N'a dit yo quitter haïtien prendre destin en main. Après démission Ariel Henry, Sefoni souhaitait gen tête ensemble dans mitan tout secteur yo pour favoriser organisation bon gens élection. Yo ta doué ke faire évaluation ça pas fait dans pays pour arranger yo pour mettre tête ensemble pour chita ensemble pour coller épaule avec épaule et puis tout pour yo ouais si yo ta cap faire élection. Mais élection sans sécurité, élection pour qu'on fait. Son nom Dieu d'Orville que nous croisé cap saute acheter dans un magasin réagit lui même tout sous démission Premier ministre là. Il pas d'après grand rien. Il pas d'après grand rien. Mon cher 100% mon cher monsieur pas de pour là longtemps donc comme c'est grand monde faut faire aller quoi bon l'autre pour couteau. Mais nous ta même mon n'a pas pouvoir lui même qui cap faire on seul avec tout le monde. J'espère que tout le monde est à l'aise. Moun sa yo kap suiv actualité Haïti à chaque jour souhaite wè yon gouvernement transition kap gen moun tout neuf la donne et qui pral abordé yon série problème important. M'ta souhaite que yo mette tout zam à terre pour malheureux yo kap kite kay yo pour tout malheureux yo retourner la kay yo à sans qu'a sauté. Mais ancien ratio m'a bien ancien ratio même. Ancien politique yo tout ancien nèg yo net nou avèz yo. Nouveau, on est nouveau. Et système éducatif là, il est obligé parce que Haïti, si nous vivions rentré en l'école en semaine, non année, en semaine, non mois, non, c'est pas possible. Même quoi, et bagay gang ça, faut que on joue, faut que fini. Nous voulons la paix Haïti. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Créole. Ah oui. Ou sot tande comment bagay yo e la. Ou tande ki jan nan moment sa la CARICOM a fait planification sou donne pou konnen ki sa ki fè. Yo te bay politisyen nan peyi d'Ayiti 24 heures de temps pou désigner 7 membres sa yo. Et si toutefois yo pa tab bay moun sa yo atan, yo menm y a pran desisyon. Mwen pa ka konprann pou on peyi gen tout ane sa depi pran liberté jounen jodi a la se blan k ap deside pou nou. Je pou nèg mwen konnen k'tab goumen, hein? Pou place ancien président Jovenel Moïse là. Le Jovenel Moïse était président pou nèg mwen konnen k'te konnen nan la ou k'te bezwen chavire Jovenel Moïse. Mais konnen pou pouvoir ça là, li vide. Pa gen premier ministre, pa gen président pou mwen vin nèg ki ka mete tèt ansanm avec pou dirije peyi a, hein? Jounen jodi a pou kalte goumen mwen goumen pou la rue mwen te konn pran. Te konn des milliers de personnes de pou manifester kont Jovenel Moïse et puis jounen jodi a la nou pa ka fò entente. Jounen jodi a la se blan nou oblige rele pou fure bouche nan koze a. Se yon menm k ap di nou ki sa pou nou fè. Hein? Sèt menm blan jusqu'à présent ou poukò ka jwenn li non? Sèt menm ki pral fè pati de conseil présidentiel la. Sept membres qui pourraient faire partie de conseil présidentiel, c'est eux-mêmes qui vont mettre tête ensemble pour désigner un premier ministre et c'est eux-mêmes qui pourraient dégager pour mettre un conseil électoral provisoire jusqu'à ce que nous gagnions élection dans le pays d'Haïti et Mounsa il pourrait être capable son président, son président élu. Je ne dis à la nouvelle jambe qui mettre tête ensemble pour remettre ça. Et qui bagaille ça tout vous c'est blanc jusqu'à présent qui a décidé pour nous, hein?
jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui ont braché, c'est eux-mêmes qui ont coupé. Hein? On a ces femmes finies par comprendre, la population Jérémy, hein, et qui fâche le bout de Jodie Mercodie qui prend la rue. Qui dit que c'est Guy Philippe qui vini. Guy Philippe, non, son révolution, pas comment dire. Hein? Guy Philippe, ça va manger une frette, non, papa, ici. Hein? Ah, même j'aime tap gade au monde dans les commentaires. Li ta reme konnen ki côté Guy Philippe Alfec de doctorat ça pour chavirer gouvernement ça. Parce que Guy Philippe depuis 3 décembre, li mette pied sous sol Haïti. Il dit que révolution rien m'a pas menti pays d'Haïti vire tête en bas. Pays d'Haïti en branle. Jusqu'à ce que Ariel Henry oblige baïta. Jusqu'à présent, on va rencontrer Ariel Henry. Est-ce qu'elle est toujours Porto Rico ou bien Ariel Henry lui-même dans le pays des États-Unis? Jusqu'à présent, on a dit Ariel Henry était muet. Eh bien, dis-nous que Philippe n'est pas capable, président. Guy Philippe n'a pas fait partie de 7 membres qui ont un conseil présidentiel. Là. Il va dire que Philippe lui-même dit qu'il n'a pas causé pour sa pièce. Car il n'y a pas aucun droit pour lui faire bouche ni dans sa pas regarder parce que ça qui a passé là, c'est nous-mêmes haïtiens. Et bien, je dis à même, dans la conférence de presse que Moïse Jean-Charles Tebaï, il demande pour le peuple haïtien dégager, camper sous deux pieds, marcher, marcher, mes yeux, mettre pantalon dans ta yo, pour ne pas prendre gol à mes ça dans mes caricom. Lui-même qui te connaît dans la rue, qui te connaît manifester, hein? Qui te connaît prendre gaz, qui te connaît prendre balle, il demande de côté moun sa yo qui a fait partie, qui pral faire partie du conseil présidentiel l'intérieur. Pour qui ça joue aujourd'hui, là, c'est au même cap dit nous, mais qui est supposé mettre dans le pays. Et hier, nous avons un dossier pour nous dire que le député, un député dans le Congrès américain, Gregory Mix, dit comme ça que Guy Philippe, c'est lui-même, ensemble avec Barbecue, qui mettait tête ensemble pour Haïti que nous avons joué là. Actuellement, là, Guy Philippe représentait un danger pour les CARICOM. Ça fait un dit, et on compte. D'après déclaration en pile, dans la ville Jérémy, il fait connaître que. C'est parce que États-Unis ouais Guy Philippe capable de porter un changement pour le pays d'Haïti et ça fait au camper en croix de vol et voulait pas voulait. D'accord pas d'accord, c'est Guy Philippe qui a remplacé Ariel Henry. C'est ça. Moun Jérémy t'a dit jodi a même bon menti, peuple fâché, peuple moudé et nous gagne plusieurs moun dans diaspora qui camper pour dire que c'est Guy Philippe qui capable de porter un changement pour le pays d'Haïti. Moun Jérémy t'a dit à Bakaricom, mais c'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui pour réunir, qui pour porter un changement. Parce que Blanc a pris une décision pour nous longtemps. Nous pas jamais arrivé avec objectif nous qui c'est changer le pays d'Haïti. Eh bien, d'après ça, président Kenya a dit, comme ça que c'est le gouvernement fin installé. Et le gouvernement de transition fin installé, il a voyé. Troupes yo sous sol pays d'Haïti. Mais m'a dit ça tout petit dans oreille. Obligé. Président Kenya a pas nous vraiment vérité parce que environ 500 nèg, 500 policiers qui t'étaient à répondre présent pour venir Haïti, gagné environ 410 qui t'étaient lavé meilleur qui dit merci beaucoup. Moi pas mettre pied dans pays d'Haïti, rete seulement 90 ça comment yo pral capable vinn bataille dans pays ça fort ouais. Président Kenya ouvert bouche pour dire que la tonne pour toute bagaille fin aucun dans pays pour capable faire déploiement. Et mes familles, c'était avec un plaisir pour nous informer. On a bon rendez-vous pour...